Ok, salut mon chum, re-bienvenue à notre épisode de Chummy TV. Aujourd'hui, on continue notre série sur les DG des Nordiques de Québec. On a-tu assez de points pour... Non, on n'a pas assez de points pour rien encore, c'est beau, juste vérifier. Et puis donc, lors du dernier vidéo, on avait un dilemme monumental. Beaucoup de gens ont commenté, merci à tout le monde qui m'aide à faire prendre des décisions sur cette équipe-là. Dano, Grigorenko, lequel des deux commence dans la grosse ligue? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 attaquants. Ce que je peux faire, je peux garder les deux et envoyer Jokanek en bas. Parce que de toute façon, il est vieux, il est pas beau, il est allemand, puis il a 36 ans. Ça fait deux fois dire vieux dans le fond. Grigorenko ou Dano maintenant? Les deux, je peux les amener, mettre... c'est lequel qui est bon centre? C'est Grigorenko. Non, les deux sont pas chers au centre, fuck. Mais je vais en mettre un des deux au centre pareil. Peut-être qu'ils vont s'améliorer dans les mises en jeu. Est-ce que ça se peut, ça? Que les joueurs s'améliorent dans les mises en jeu. Ça doit, au courant des années. Donc, on va commencer la saison avec les deux, finalement. Vous avez été de précieux conseils. Quelqu'un disait Dano, d'autres disaient Grigorenko. Ça a été très serré, tellement que je pense que... Si ça avait été tout le monde Grigorenko, ok, j'aurais juste gardé Grigorenko, j'aurais gardé Ek. Mais je vais commencer la saison avec les deux joueurs. Puis, je pense que même les deux vont pouvoir jouer à l'aile parce que j'ai un autre plan aussi. Donc, il y a Kenek votant en bas. Après ça, comme défenseur, on se demandait lequel garder. Et puis, ça a été très, très favorable pour Biega. Qui a un gros salaire. Donc, cependant, je vais faire un échange tantôt. Donc, je vais voir aussi avec le salaire. Parce que là, ça se peut qu'on garde McNabb aussi. Donc, Brennan va en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 défenseurs. Donc, on va garder les deux pour l'instant. Et puis, selon l'échange, parce que si je peux descendre Biega en bas avec son salaire de 3,7, je vais le faire. Parce que. Puis, on va garder McNabb parce que on n'a vraiment pas de place à la marge salariale. Puis ça fait que c'est plate dans ce temps-là. Donc, attaquant, ça c'est beau. Tout le monde est là. On a encore 7 millions dans le fond d'espace. Donc, c'est pas si pire que ça. On a quand même de la place. Mais ça va dépendre. Ah, c'est ça. Il manque Ryan Miller. Et puis là, Makarov en bas. Donc, à ce moment-là, 2,1 millions. OK. Donc là, ça va devenir touché. Modifier les lignes. Meilleure ligne pour tout de suite. Et puis là, je veux absolument régler le problème dès maintenant. Le problème de mon premier centre. Parce que présentement, t'as peu, j'ai même pas checké. C'est Stepan qui est... Ah oui, c'est vrai, on l'avait dans le fond de notre centre. Mais je sais pas encore. Je sais pas encore si... Parce que là, Lino, Oxen va jouer ça à 2. Non, Oxen, il est pas centre. C'est ça l'affaire. Oxen a 60 de mise en jeu, puis je veux pas le faire jouer au centre. Ah, t'es un troisième centre. Lino, je l'échange. Pomainville, Gerby, Ennis, Dano, Adam. Ouais. Ça me prend un deuxième centre, absolument. Ça me prend... Donc, Lino, je l'échange, mais Stepan, ça a 1 ou ça a 2, dépendamment de quel centre je veux. Ouais. Ça, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis, Pomainville, Vanek, Gerby, tout ça, je garde ça. Parfait. Donc, je change Ville Lino drette là parce que je suis tanné. Puis, juste avant la vidéo, ben, j'ai fait un peu de scouting, voir lequel joueur qui serait intéressant pour nous. Puis, j'en ai. Je suis venu après ça à la conclusion qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs centre qui fitteraient dans notre équipe sur des équipes qui voudraient Ville Lino. Et puis, il y en a 6 qui sont plus importants que les autres. Il y en a 6 qui sont dans ma mire plus précisément parce qu'il y a Sidlowski qui a quand même une valeur puis qui a seulement 3 étoiles puis qui n'a pas été repêché puis qui est pas bon puis qui fera jamais rien dans NHL, dans notre grosse ligue de toute façon. Donc, je veux l'ajouter au deal avec Ville-Laino. Comme ça, je perds vraiment pas grand-chose puis je vais pouvoir me ramasser avec un très bon centre. Donc, ces deux joueurs-là, il y avait premièrement l'équipe de Boston qui avait des très bons centres. À ce que j'ai checké, Bergeron et Krejci, ça serait les deux que je serais après pour Boston. Cependant, ils n'ont pas de potentiel et puis les deux commencent à être vieux. 4,7 millions. Voyons voir par contre si avec notre alignement fait, on peut prendre Bergeron. On peut aussi prendre Krejci, ça veut dire. Contre ces deux-là. Donc Krejci, ça serait... Voyons où c'est que je suis là. Bon, Krejci, ça serait aussi... Est-ce que ça passerait par contre? Je ne sais pas. Ils veulent pas donner Krejci. Donc, il y a lui... Il y a aussi d'autres échanges. Il y a aussi en Caroline, Jordan Staal qui pourrait être intéressant. Par contre, lui, il vaut 6 millions pour 10 ans. Donc, au moins, on l'aurait signé longtemps. Puis, ça serait vraiment un premier centre. Puis, on peut aussi se le payer avec une petite marge de 690 000 $. Sauf que Staal vaut un peu plus. Je pense pas que ça passerait avec Staal et Lino et Sidlowski. Mais je pourrais rajouter de quoi au deal si on veut Jordan Staal. Sinon, il y a aussi au Colorado. Et puis, d'ailleurs, c'est aussi dans l'actualité présentement. Ryan O'Reilly qui serait intéressant. Dans la vraie vie, il y a 3,005 millions. Puis lui, je pense, pas dans la vraie vie, dans le jeu, il y a ça. Donc, ils ont donné un contrat, finalement. Mais dans la vraie vie, c'est assez touché présentement. Je pense qu'il ne jouera plus aucun match avec l'Avalanche de sa carrière. Ryan O'Reilly, suivez le dossier, c'est vraiment cool. Je vais écrire un texte là-dessus, d'ailleurs. Sauf que la Ligue n'approuve pas ce move-là.
Ah, j'ai même pas checké si les autres équipes ça approuvait. Jordan Stahl, ça approuve pas. Merde, come on. Fais-moi pas ça. Krejci, ça approuve. Ok, contre Boston, ça approuve. Donc au moins, il y a ça de simple. Columbus aussi, il y avait un joueur intéressant. Derek Brassard, ce serait cool, mais la Ligue, il approuve pas. J'avais pas checké ce bout-là. Après ça, il y a Sam Gagné aussi. Sauf que lui, il est pas mal en bas de liste parce qu'il y a du potentiel, mais il est troisième scoreur. Et la Ligue approuve pas non plus. Il y aurait Sean Matthias. Puis je sais que peut-être que si je dis Sean Matthias, vous dites plus non, c'est quoi cette histoire-là? C'est qui lui? De quoi tu parles? Mais regarde ça, il est quand même bon. 70 mises en jeu avant fort. Il y a eu une saison assez ordinaire, mais il devait jouer sa troisième ligne. 83, je trouve ça pas pire. Puis il y a quand même 3 étoiles et demie. Est-ce que ça passerait. Pas contre Peter Mueller. Ouais, ça, je pense que ça passerait contre. Contre Sean Matthias, la Ligue approuve pas, ok, parce qu'ils n'ont pas de marche salariale à ce moment-là. Ok. Jeff Carter aussi, qui est dans mes plans. Jeff Carter, par contre, il vaut cher. Sa valeur de l'échange est assez élevée, puis ils veulent pas Sidlowski, donc c'est ça qui est plate. Et puis il y aurait aussi à Nashville, Colin Wilson. Colin Wilson, ici. La Ligue approuve pas. Donc finalement. Si on veut que la Ligue approuve, Edmonton ça marchait pas, Columbus ça marchait pas. C'est pas mal rien qu'à Boston. Que la Ligue approuve cet échange-là. Puis ça serait contre Krejci. Ouais. Ça serait pas mal l'échange qui fitterait le mieux. Sauf que, est-ce que... Je peux aller chercher Bergeron au pire? Patrice Bergeron. Un bon Québécois à Québec. En plus, eux, ça leur arrange sur leur masse salariale. On va essayer d'aller chercher Bergeron. On va commencer par ça. On va avoir une bonne équipe. Ça vaut aussi la peine de donner mon premier choix. Ils veulent même pas mon premier choix. Marché patineur. Qu'est-ce qu'ils voudraient d'autre? Je peux rajouter... Je peux rajouter. Ils veulent pas mon défenseur. C'est quoi son nom? Ils veulent pas McNabb. Ça vaut rien, tous ces joueurs-là. Steve Hodge, je le donne pas. Hartman. Voyons voir dans ceux-là. Là. J'ai dessus des joueurs. 3 étoiles. Logan Nelson. Tiens, on va rajouter ce gars-là au deal. Logan Nelson avec Sidlowski, avec Leno contre Patrice Bergeron. Ah, leur marge salariale marche plus. Leur marge salariale marche plus. Sauf que là, ils voudront jamais. Ils voudront jamais Leno puis Sidlowski contre ça. Puis je veux pas, nos relations sont combien? Très mauvaise réputation, on est dans marde. Y'a rien qu'on peut faire encore pour échanger dans ce colique de jeu de Mère Teresa. Ça fonctionnerait. Mais je veux-tu donner mon premier choix? J'ai quand même le premier choix de Washington au moins. Bergeron, ça vaut-il la peine d'aller chercher Patrice Bergeron? Parce que tant qu'à aller chercher Patrice Bergeron, j'irais chercher Krejci. Puis ça me coûterait moins cher. Ça me coûterait bien moins cher, puis Krejci, il fait la job aussi. Donc, Sidlowski, Leno contre Krejci. Je peux voir cette deal-là passer, mais ça me surprendrait, parce qu'ils veulent Leno puis Sidlowski. On va l'essayer, mais j'estime nos chances assez faibles. Mais si j'étais Boston, par contre, je le ferais, parce que leur match salarial est dans marde, puis ils ont vraiment besoin de faire quelque chose avec ça. On va l'essayer. Si ça marche pas, on va faire passer une couple de jours, puis on va revenir voir. Parce qu'après que les joueurs après que le 1er octobre soit passé... Là, les équipes, il va falloir qu'ils placent leur marge salariale comme faut. Puis je pense que ça va pouvoir changer quelque chose dans leur décision. Voyons voir si ça passe. Attention. Leno Sidlowski contre Krejci. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche! Oh mon Dieu, je pensais pas! Wow! On a David Krejci à Québec sur un échange, un vol en plein jour. Oh! Une belle recherche. Parfait, je suis content. Honnêtement, là, on peut le faire jouer en piqué un peu. Des bonnes mises en jeu. Une bonne saison l'an passé. Oh que oui! Yes, qu'est-ce que vous dites de ça, mes chummés? Alright, Krejci, Stepan, Hawkson à l'aile. On va... Oh, là, on a une bonne équipe. On a une sapré bonne équipe. Vanek avec Krejci puis Pominville. Stafford, Hutt au troisième centre. Oups, Hutt, troisième centre. Look at... Oh oui. Le Grigorenko. Oh, que ça va être beau, ça. Donc, voici un peu notre alignement à date sans faire les lignes clairement. Et puis, en défensive, il y a McNabb qui est toujours là. Et puis, on peut garder Biega, donc il n'y aura pas de trouble. On va le garder. Oh, que je suis content. Alors, retournons dans la composition. On va descendre McNabb en bas. Et puis après ça, on va passer une couple de jours. Puis on va faire nos lignes. McNabb, va en bas. Parfait, comme ça. Back up. Oh oui. Krejci contre Ville-Laino. Puis Sean Sidlowski. Jamais j'aurais cru que ça passerait. Good job, bébé. Et la saison qui s'amorce bientôt. Plafond salarial qui a genre augmenté, j'imagine. Oh non. Là, on commence pas à me faire ça. Là. Refuser échange. Là, je vais aller tout de suite. Refaire mon trading block, parce que là, on est plus clair. Là. Pas calendrier, ça n'a aucun maudit rapport. Non, pas ça non plus. Attends un peu, non, on n'a pas gagné de points. On a une bonne réputation de 83. Tout va bien. Alright. David Krejci. Ok, on va tout enlever ça. Oups. Ça. Premier tour, je ne veux pas le donner. Ah, mon Dieu, qui gosse!
Ok, c'est qui que je vous avais dit que je voulais donner? Faut Carly, ça me dérange pas. Puis c'est pas mal tout ce qui est là. Besoin, est-ce qu'on veut des first picks? Non, on n'a pas besoin non plus d'attaquants. On a-tu un surplus? Ça me dérange pas de donner mes choix de troisième tour et plus contre quelqu'un. Oups, ça n'a pas compté. Ça. Parfait. C'est pas mal tout ce qu'on va faire pour l'instant parce que je veux pas non plus trop de transferts. Notre équipe est bien correcte comme ça. On va aller faire les lignes dans quelques minutes juste avant le premier match. Good job! Ouais, ils sont tournés à off. Je pensais aux. Voyons! Aux blessures! Bon, voilà. Bon, je vais venir pas parler, mon dieu. Ok, donc les lignes. Krejci, Stepan, Hogson, tu vas aller à l'aile. Hot, tu vas aller au centre. Luke Adam, t'es-tu bon en mise en jeu? Non! Grigonka, pas bon. Dano non plus. Hogson, oh mon dieu. Ok, non, c'est bon. On va mettre Dano au centre. On va essayer de l'améliorer en mise en jeu. Quatrième centre, Philippe Dano. Attaquant polyvalent, pas le choix. C'est ça que ça va être. Avec Adam ou Luke Adam ou ben. Hey, j'ai pas de plaqueur, moi, sur ma ligne 4. J'ai pas personne qui. J'ai rien qu'une équipe offensive pour l'instant. On va l'essayer quand même. Non, on va mettre Hot sur la quatrième ligne. Dano sur la troisième. Augustin, je veux qu'il s'améliore. Stafford, on va le baisser sur la troisième. Vanek ici. Gerby. Ouais, Gerby a du potentiel encore. Gerby a encore du potentiel. Gerby ou Thomas Vanek. 44 points l'an passé, plus 9. Thomas Vanek. Je sais que dans la vraie vie, Vanek, c'est clair que c'est un no-brainer. Mais dans ce jeu-là. 29 ans, 48 points l'an passé seulement. Comment qu'il y en avait, Gerby? Il y en avait 44. Ok, on va mettre Gerby, ça à 1. Avec Krejci, ça nous prend un. Ah, c'est ça le problème, ça nous prend. Ok, tu sais, ben, bam! Grigorenko avec Krejci et Gerby. Deux meneurs et Grigorenko, un gaucher. 3 étoiles. On va essayer ça. Pour les premières games, on va essayer ça. Grigorenko, ça à 1. Pas le choix. Après ça, oh mon dieu, ça met Vanek à 4ème. Parce que j'ai pas le choix de mettre Pominville, ça à 2. Hogson, je veux que tu t'améliores, mais quand même, mon dieu, troisième ligne scoreur. Il y a eu juste 33 points par contre l'an passé. Ok, attends un peu. On va mettre Pominville à droite de Stepan et Vanek. Ça fait un autre tireur d'élite avec deux meneurs. Ça, j'aime ça aussi. Pas le choix. Stafford sur la quatrième ligne avec Ennis, Dano et Hogson. Tyler Ennis. Ouais, pas de. Ben, tu sais, il y a des mises en jeu, mais pas tant que ça. Un peu de potentiel aussi. 40 points l'an passé. On a juste une bonne équipe. J'ai pas le choix de faire ça. J'ai pas le choix. Dano, Hogson, Hot avec Luke Adam et Drew Stafford. C'est ça qu'on va faire. Ça, c'est notre ligne défensive. Notre ligne 3 qui pourrait être une ligne 2 quasiment. À part si Dano était plus 75 overall. Stepan, Pominville, Vanek qui pourrait être une ligne 1. Et puis notre ligne 1 qui est. On essaie Grigango. Parfait. On va essayer ça comme ça pour les premiers matchs. Défensive maintenant. Mon dieu, que c'est faible. Ben en fait, j'aime pas ça voir Leopold là. C'est ça l'affaire. Myers. Il est de quel bord, Myers? Droitier. On va le mettre là. Leopold. Gaucher. On va le mettre là. Regier, gaucher. Eroff, excusez-moi si vous avez mal à la tête parce que je fais tout le temps avant circuler. Gaucher aussi. J'espère que tu es un droitier. Biega, parfait, un droitier. Biega, tu vas aller là, tu as du potentiel. Parfait. Biega, Myers, Leopold, Regier. On va mettre Eroff avec Biega, Regier avec Sekera. Ça fait deux défenseurs purs. J'aime peut-être pas trop ça. Eroff, Regier, oups. Regier, ça a 3. Ça a 2, ouais. Bon, on va essayer ça comme ça. Ça, c'est parfait. Ok, donc au centre, Krejci, Stepan, Ennis. Je pense qu'on va pas mettre Dano puis Grigorenko sur les power play, ça donnerait rien de toute façon à ce moment-ci. Là, on a trop de meneurs sur ce ligne-là. Là. Ok, ah comme ça, parfait. Deux meneurs, un tireur d'élite, deux meneurs, un tireur d'élite. Oxen n'est pas là. Qui je peux enlever? Non, je peux pas enlever personne par exemple. Ah oui, peut-être un défenseur. Eroff, t'es un gaucher. Myers, t'es un droitier, c'est parfait. Biega, polyvalent, Leopold, je veux pas que tu sois là. On va mettre donc, c'est qui j'avais dit? Oxen. Mais on va mettre Vanek à la pointe. J'ai trop de meneurs dans cette équipe-là, ça c'est officiel. Droitier. Merde, t'es un droitier. Ok. Bon, on va mettre Vanek là, puis Biega là. C'est pas si grave, de toute façon, c'est de la simulation. J'ai trop de meneurs. J'ai pas le choix de mettre Oxen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 attaquants que je vais mettre en powerplay. Ok, j'ai pas le choix. C'est juste qu'on a beaucoup de meneurs, qu'est-ce que tu veux. Ouais, on va mettre ça comme ça. De toute façon, meneurs, c'est pas si grave. Ils ont quand même des mains aussi pour scorer. Krejci, Stepan. Pominville, Gerby. Ouais, Gerby. Est-ce qu'on y va avec Gerby? Ouais, on va y aller avec Gerby. C'est toi qui as le plus de potentiel dans toute l'équipe. Myers, Eroff, Biega et Vanek plutôt. Vanek et Biega. Ok, piqué maintenant. Hot, Stepan. Hot, tu vas aller au centre. Attends, je vais aller voir c'est qui nos meilleurs joueurs défensifs. On va aller voir c'est qui nos meilleurs joueurs défensifs. Puis après ça, on va continuer de finir les lignes. Donc, attends un peu. Comment qu'on voit ça? Composition, non. Meilleur joueur offensif, ça c'est beau. Meilleur joueur défensif. Regier, Leopold, Myers et Sekera. Faut que je me rappelle de ces défenseurs-là. Stepan, Pominville, Krejci. Attends un peu.
Hot, Krejci, Pominville et Stepan ou Gerby. Gerby, c'est notre meilleur joueur défensif, ça se peut pas, il mesure 2 pieds 4. Tabarnache. C'est un peu bizarre ce jeu-là, de la façon qu'il monte les lignes. Donc, Hot, Krejci, Pominville, Stepan. C'était pas Stepan qui était là. On va mettre Krejci, oups. Krejci ici. Pominville. Voyons voir s'il y a pas quelqu'un d'autre là. Ah, Stafford, clairement, Drew Stafford. On va égaliser ça. Pominville est bon défensive. Ouais. Plaque pas ben fort, t'as peu. Luke Adam, non, je penserais pas, hein. Non plus. Ouais, peut-être déjà mieux. Déjà mieux que lui. Nenis Gerby, c'est beau. Oxen, non, pas en défensive. Krejci est déjà là. Hot, Pominville, Stafford, Stepan, je penserais pas, hein. Non, pas Derek Stepan. Ouais, il est quand même bon, mais. Ok, on va mettre Luke Adam. Il a pas assez de temps de glace de toute façon. Myers, Regier, Leopold et Sequeira. Alright, Sequeira ici. Stepan et Krejci, on va mettre Hot, Steve de son prénom. Voici la ligne à 4, Stepan, Pominville, ça c'est beau, Oxen et Vanek. Oxen n'est pas centre. Stepan, Krejci, c'est qui mon troisième centre, c'est Dano. Pominville. Je sais qu'il gagne des mises, puis on va mettre Oxen ici. Comme ça, parfait. Myers et Pominville sur le gardien, c'est good ça. Et ça c'est beau. Parfait, donc voici notre alignement partant pour la saison. Grigorenko, on teste la ligne 1. Et puis dans les ligues américaines, Gauthier, le Duc, McNabb, Sweeney. Donc ce que je vais faire les lignes de la ligue américaine. Je coupe ça ici. Et puis on se reparle dans la partie 2 de ce vidéo. Donc, ciao bye!